Salut tout le monde. Alors dernier jour pour nous à Andenes. On charge les bagages, on check le logement et puis on prend la direction de Lodingen. Alors il y a deux routes pour venir à Andenes, donc on a pris la première pour venir, on va prendre la deuxième qui apparemment est beaucoup plus jolie et on espère pouvoir voir des rennes et des élans. Voilà. Et donc on va ce soir dormir à Lodingen où on prendra le ferry pour Engan, sinon on est obligé de faire tout le tour. Et David me fait signe qu'il a pas le code. Faut rentrer. La viande doit être salée. Salut. Présente jusqu'à pêche. On traverse comme ça les filles, dis donc. Ouais. Ça va? Ça me regardait? Regarde, elle me regarde. Qu'après de passer dans la montagne, eh bien, on arrive à Lodingen. Je pense qu'on va faire on va déposer nos affaires et on va retourner faire voler le drone à un endroit qu'on a vu qui était plutôt sympa. Alors, on vient d'arriver à Lodingen. On fait le petit room tour viteuf, bien œuf. On a une jolie terrasse avec une belle vue. Une grande terrasse même. C'est la route, hein. Moi Jojo. Bon bah salut David. Hop, après, les petits fauteuils de mamie, hein, c'est indémodable. On en a partout. La petite table, c'est pareil, c'est vintage. Lit classique, bon, c'est une chambre toute simple. Hein. On va dormir juste une nuit, de toute façon, c'est juste pour prendre le ferry demain. Et la salle de bain, toilette et douche. Alors, on en profite que le temps est avec nous pour faire quelques plans de drone. Et en fait, en se baladant, on a trouvé. On en avait vu plusieurs sur la route, mais à chaque fois, on ne pouvait pas s'arrêter. Alors, je sais pas si vous voyez au loin, il y a un bateau avec des gros cercles dans l'eau et c'est des élevages de poissons. Du coup on a essayé de filmer au-dessus. C'est impressionnant parce qu'en fait d'ici on a l'impression qu'il n'y a que deux ou trois cercles et en fait c'est des vraies nourricières quoi, il y en a je sais pas peut-être une vingtaine.